Hey yo, du coup, les gens, on est parti pour le qualifier pour la Paris Games Week, les amis. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, il y a un tournoi qu'on organise. Bon, je peux vous le dire maintenant, il y aura plus de 10 000 euros de cash prize. Donc, en fait, il y a deux open qualifiers. Le premier, bah, c'est celui que je joue maintenant. Donc, maintenant, c'est mort pour vous qualifier. Le deuxième, il aura lieu samedi prochain. Donc, voilà. En gros, il y a 500 euros de cash prize. Donc, 200 pour le premier, 100 pour le deuxième, 100 pour le troisième, 100 pour le quatrième sur ce qualifier. Les 4 premiers sont invités à la Paris Games Week pour jouer le plus gros tournoi, le Main Event, si on parle un peu comme au poker. Donc ça sera sur scène à la Paris Games Week sur le stand de Acer, enfin sur notre stand hein, mais on le partage avec Acer, enfin c'est plutôt nous qui squattons le stand d'Acer. Et voilà. Donc du coup n'hésitez pas à vous inscrire, je pense que je mettrai le lien du deuxième qualifier. Et bon. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non, voilà, j'ai un peu essayé de vous présenter vite fait le format du tournoi. Je sais pas, il y a combien de joueurs? J'avoue que je suis arrivé un peu à la bourre. Alors, attendez, on va regarder. Règlement. Donc, en gros, il y a eu combien d'inscrits? On va regarder vite fait hein, pendant les premiers tours. Il y a 612 players registered. Donc en gros, 612, ça fait quoi? Ça fait un peu plus de 512. Je sais pas, il y a combien de matchs pour 512. Mais je fais quoi comme compo là? J'ai quoi? J'ai un Brome, un Pike. J'ai quoi comme item? J'ai AD, Attack Speed. Je pense qu'on va faire ça. Ok. Ok. On est pas trop mal. Change le jeu, ouais. Ah bah ouais, c'est logique. Non, mais ce que je veux dire en fait, c'est que s'il y a 612, en fait, tu vois, genre les tournois en fait, pour se qualifier, c'est il faut faire que top 4. Là, en gros, il faut que je fasse un top 4 et je suis qualifié au tour d'après. Donc, du coup, ça élimine 50% des joueurs. Donc, du coup, bah 512, ça c'est des brackets normales quoi, comme sur LoL. Mode 512, 256, etc. Donc, je crois qu'il y a 5 ou 6 matchs. En gros, si tu fais 5 ou 6 matchs et que tu gagnes, bah t'as gagné quoi. Voilà. On va faire quoi comme compo en vrai? Je pense que je vais essayer de gagner 10 gold. Ok, Vega on peut garder, Morgana c'est assez fort. En vrai je pense que j'ai pas touché Duck Knight, du coup on va vendre. Kassadin on peut garder. Là ce qui est chiant en fait c'est que... Ouais je pense que je vais perdre là comme ça. Ou alors je mets 3 sorciers et pas les couilles hein. Au pire, je vendrais quoi? Au pire, je vendrais mon pike. On s'inscrit où? C'est trop tard là. Là, c'est trop tard, les gens. Ça fait une semaine qu'on en parle du tournoi. Si vous êtes là en mode oui, on s'inscrit où, etc. C'est que c'est juste trop tard en fait. Est-ce que je peux gagner? Non. On vend qui là? Je pense qu'on va vendre pike. Hein. Après, là, on a déjà une IE. Donc, du coup, on va peut-être jouer Akali. Hein. Donc là on s'inscrit où? C'est trop tard pour l'inscription pour ce qualifier. Par contre il y a le prochain qui est open. Donc le prochain qui aura lieu samedi prochain. Et voilà, même bail. Hein. Même beau. En vrai j'ai envie de vendre Morgana. En vrai j'ai envie de jouer la thune. Hein. J'aime trop l'argent en fait. Non, je vais vendre Morgana, je vais vendre Veigar et je vais jouer la lose. Et puis voilà. Et c'était quoi la soirée avec Kravor, Toon, etc. En gros, il y a deux moyens de se qualifier. Le premier moyen, c'est si t'as un influenceur. Donc j'ai invité les 16 plus gros influenceurs sur TFT. Enfin, que je considère plus gros influenceurs. Hein, après, les goûts et les couleurs, voilà. Donc en gros, eux, ils ont un tournoi un peu spécial. Parce que le but, c'est quand même de ramener du monde à la Paris Games Week. Genre, s'il y a que des randoms, bah, c'est un peu chiant. Ah, je vais gagner. Faut que ça m'arrange pas de gagner en fait. Tant pis. Donc voilà, il y a deux qualifieurs influenceurs. Donc il y en a déjà un qui a lieu. Moi je joue le deuxième, etc. Qui aura lieu bientôt. Je pense qu'on va vendre la Vein. On va mettre le Kassadin. On est à 30 gold, ça va. Et après, il y a deux open qualifiers pour tout le monde. Parce que moi, ma définition de l'e-sport, c'est en mode que ce soit ouvert et accessible à tout le monde, tu vois.
J'aime pas cet e-sport en mode ligue fermée, tu payes 1 million et c'est que les riches qui peuvent jouer, tu vois. Enfin, pour moi, l'e-sport, c'est en mode n'importe qui peut jouer, peut essayer de se qualifier. Bon, après, si t'es bronze, il n'y a aucune chance de te qualifier, mais au moins, tu peux être dedans, tu peux faire des tournois, essayer et ça te hype, quoi. Donc voilà. Donc là, grosso modo, bah, on est dans ce tournoi qualifié un peu ouvert à tout le monde. Et voilà, donc là, on est dans une poule où il y a des silver, il y a des gold, il y a des platines. Je crois que je suis le plus haut, hello. Donc normalement je devrais passer ce rune, après bon c'est du TFT hein, donc il y a une part un peu de chance. Ah, par exemple pour l'instant j'ai pas le meilleur début mais bon, ça devrait le faire quoi. Il est où Fresh? Bah Fresh il était pas dispo. Fresh. En fait le truc c'est que c'est à la Paris Games Week, et à la Paris Games Week bah, y en a qui ont des stands à... Bon voilà, à la Paris Games Week en gros quand t'es un peu influenceur et que t'es un peu connu, il y a des stands qui te proposent beaucoup d'argent pour faire des trucs quoi. Entre faire un tournoi TFT où t'es pas sûr de gagner et bah, gagner de l'argent direct, y a pas trop de choix. Ah ouais, je pense que je vais prendre la mana. Je vais prendre la mana. Parce que là en fait j'ai déjà une IE, donc on pourrait partir sur une super Akali. Et voilà. 100% Narcus va perdre contre le Silver. Bah après c'est possible hein, là... Là clairement c'est possible, hein. Là j'ai vu au début, après vite fait, je crois qu'il y a 3 plates, 2 gold, 1 silver. Et voilà, donc clairement je peux perdre. Hein. On va pas se mentir que clairement je peux perdre. Là je pense que je vais prendre Pike, je vais vendre mes 2 Kassadin pour rester à 40 gold. Je m'en fous un peu de gagner ou de perdre. En gros ma compo, je pense que je vais jouer, ça va être un Wild Assassin. Je vais essayer de stuff mon Rengar et mon Akali. Je sais pas si ça va suffire. Après, je devrais acheter Rek'Sai, je pense. Ma compo va être un peu bancale, hein, mais c'est du first time que j'essaye. En fait, j'ai réfléchi cette nuit à une compo qui n'existe pas et que je pourrais sortir assez facilement. Et qui pourrait faire le taf. Et j'ai pensé à cette compo, donc je sais pas si c'est fort ou si c'est de la merde. Donc, peut-être ça va être de la merde, hein. T'as pas Akali? Non mais je l'aurai après. En fait Akali c'est une level 4, donc forcément je l'aurai un peu plus tard quoi. Ok bon. En gros je pense que je vais jouer genre Akali. En fait il me faut genre Gnar, Nida, Gnar, Nida, Akali, Warwick. Ouais, je sais pas. En vrai, ma compo, je pense qu'elle pue. Pourquoi j'ai fait cette compo? Je pense que ma compo pue en fait. Hein. C'est ça le problème. C'est que là, on est sur une compo qui pue. Bon, lui, il part sur la compo Wild Ninja. Où on va jouer un peu les mêmes unités. Non, c'est trop fort. Ouais, je sais pas, je suis pas sûr. Hein. En vrai, je suis vraiment pas sûr que ce soit vraiment trop fort. Hein. Là, ça m'arrangerait de perdre. Ouais, que si je gagne ou pas, je suis pas en série de win. 48 gold, ça va. Shop H et tu mets du stuff pour la revendre. De toute façon, là, je vais rush XP maintenant. On a une Ida, ouais, on a un Z. Est-ce que je passe ce rune? Je suis pas sûr de passer ce rune, en fait. C'est ça qui me fait chier. Est-ce que je double XP? Attends, est-ce que je passe ce rune? Ouais, je pense en vrai, je le passe, mais... J'ai peur de pas le passer et que ça me nique ma game. Ça, je le tue easy. J'aurais peut-être pas assez de dégâts. Je pense que je vais assurer. Ok. Bon, on a assuré. Hein. J'ai joué un peu petit sec là-dessus. J'avais un peu peur de perdre. Je suis même pas sûr. Ouais, si. Bon, là ça passe, mais je pense que sans mon Z. Mon Z il a fait combien de dégâts? 500. Ouais, je sais pas. T'as loupé Z. Non, mais je joue pas Z en fait. Z c'était juste pour avoir une unité un peu forte, etc. Mais je m'en bats les couilles. On a 3 wild, 2 assassins. Le troisième assassin ça va être Akali. On peut prendre Katarina. Est-ce que je pex maintenant?
pour avoir des chances. Là il me manque 16 gold. 16 gold ça me fait perdre quoi. Ça me fait perdre 1 gold sauf si je gagne là. Est-ce que je peux vraiment gagner là? Ouais. Pas convaincu. Ok. Oh lui il a une compo vénère lui. Il a déjà un Draven. Je pense que j'aurais du Pex. Bon c'est trop tard maintenant mais ouais. Vas-y je vais Pex en vrai. Et je vais un peu roll. On a un Cho'Gath. On va prendre Cho'Gath. Si c'est pas vraiment ça qui me pose hein. C'est surtout une Akali. Mais bon Cho'Gath on va le jouer je pense. On a Ahri mais c'est pas Ahri que je veux hein. C'est Gnar. Ah là je vais loin dans le roll hein. Là je vais loin dans le roll. Peut-être pas une, une bonne idée que je fais. Ouais, je vais aller full roll. On a Ahri. Ouais. Ahri me donne bonus 4 wild. Ouais mais c'est Gnar que je veux. Mais bon. On va remplacer Rek'Sai par Ahri, of course. Le trou dans le portefeuille, ouais. Nida, non, Nida, j'ai déjà rond 2, j'aurais jamais rond 3. Là, c'est surtout Akali qui me faut, mais bon, je l'ai pas eu, c'est pas grave. Enfin, en vrai, si, c'est grave, mais. Ok, bon, là, ma compo est pas folle, folle. On est à 4 wild de brawler, il me faut un dernier assassin. Donc là, en gros, il faudrait que je passe level 7, que je mette Akali. Et après, je pense que level 8, je vais mettre genre un Cho'Gath et un. Un Cho'Gath et un je sais pas quoi. Et puis on va tester ça hein. IE Rango, j'ai envie de garder. En fait j'ai envie de garder IE et double mana sur Akali. Je pense que c'est mieux. En garde je voudrais plutôt lui mettre une Oula oh là là. Lui il est déjà level 6, il a tellement une bonne compo. Oh, lui il devrait m'exploser. Ah quoique. Ça va je tempo en vrai. Bon si je gagne contre cette compo c'est. Ah ouais mais là Akali. Y'a Kali quoi. Ok ça va, je gagne contre cette compo. Putain. Plus je nique sa série de. Il était en full win lui. Elle avait une sortie de fou mais bon. Tu vas IE sur Kali. Ouais ouais je vais IE sur Kali. Après il faut que je touche IE. Ce qui est pas encore gagné mais. Enfin il faut que je touche à Kali plutôt. Bon là y'a quoi. Y'a un Gnar mais Gnar RM ça m'intéresse vraiment pas. On pourrait prendre Vega ou alors je prends Gnar. Gnar RM en vrai c'est pas si dégueu. Ouais, peut-être je prends Gnar RM en vrai. Après, je pense que c'est un peu de la merde. Hmm. Ouais, je pense que je vais prendre prends Gnar. Pff, ouais, mais le problème, c'est que le Gnar, en fait, genre, même pas il me up ma compo. Parce que Gnar, c'est bien pour jouer Shapeshifter et tout. Mais là, j'ai une Ahri rang 2. Il me faudrait 3 Gnar pour le changer. Je pense que pour l'instant, je vais rester comme ça, en fait. Parce que là, bon, au début, je voulais pas rien, hein, je voulais Gnar pour partir en mode 4 brawler et 3 shapeshifter. Mais plus je réfléchis, plus je me dis que ça va être compliqué à avoir. Bon, là, je vais économiser en vrai jusqu'au wall. Je vais passer level 7 et je vais essayer de. Et je vais go IE, tout ça, bordel. Là ma compo est un peu bancale hein. Non mais en fait Gnar j'en ai pas tant besoin que ça en vrai dans cette compo je pense. Ok lui c'est un Lissandra player. C'est assez fort en vrai Lissandra player. Lissandra ça fait quand même masse dégâts. Si je gagne c'est cool. Et je gagne hein. Ok. Bon pour l'instant je tiens. C'est bien de continuer la série de win. On a une Shyvana, est-ce qu'on prend Shyvana? Non, je vais pas jouer Shyvana dans cette compo. Après, en vrai, je pourrais changer ma compo, mais. Non, en vrai, je pense que je vais essayer ça. J'ai les items pour une IE. Faudrait juste que je touche à Akali là. Bon, lui, il joue quoi? Lui, il joue full.
Yordle, ouais, lui il joue bizarre. Et Katarina, Akali, Knight, lui il va être fort. Il va remplacer Kennen, je pense, par Akali dès qu'il la touche. Ah, il tente Ninja. Ouais. Oh, il a fait mal lui. Après j'avoue que TF ah ouais il a 6 sorciers lui. Non il a 6 sorciers lui. Ah ouais 6 sorciers. Bon après ma compo tant que j'ai pas Akali c'est un peu bancal hein. Tant que j'ai pas Akali en Rengar Ok bah on touche Akali, Rengar et Gnar. Je pense que c'est un assez bon rôle hein. Je pense qu'on a eu un peu de chat en fait hein. Bon là la question c'est de savoir est-ce que je vire Harry au profit de Gnar. Parce que Gnar il va pas m'apporter grand chose en fait. Là mon but c'est de pex, de passer à Akali, de stuff à Akali. Donc ça, bon je pense qu'on est tous d'accord sur ce fait. Là ma Akali elle va être forte et j'aurai 3 assassins. Après la question c'est sur quoi je pars. Soit je prends un Shogat et j'essaye d'avoir 4 brawlers. Genre parce que bon, normalement ouais même 4 brawlers en fait je l'aurai jamais. Soit j'essaye de mettre Gnar à la place de truc et je prends un dernier shapeshifter. Dom Gnar supérieur à Harry. Ouais mais la question c'est est-ce que vraiment j'aurai le temps de... Franchement je vais pex parce que là je suis quand même assez chaud en HP. Ouais en vrai je pense que Harry ça tège. Je mets lui. Et là en gros j'essaye de choper un bon shapeshifter qui est vraiment fort. Bon là on a rien à faire avec tout ça. On va attendre. Oh il a Gnar level 2. Aïe aïe aïe. Ah. Ah ça manque de dégâts là. Je manque un peu de dégâts les amis. Il a eu deux items sur Kennen assez assez fortiche. En fait là ma compo pue en fait. Genre juste c'était bien dans ma tête mais il n'y a que dans ma tête que c'était bien. Non Shogat non. Bah. Pff. En fait je me dis que Shogat ça serait bien d'avoir 4 brawlers en fait. Mais bon j'aurais jamais 4 brawlers. Là si je mets Shogat ça rapporte quoi? Ça rapporte un peu de front lane. Non, en vrai il me faut un shapeshifter. En vrai il me faudrait quoi? Un Swain ou un truc comme ça. Non mais les gens qui disent stuff Akali alors que t'avais un Rengar, regarde bah Akali tu te rends pas compte hein, de ce qu'elle fait Akali. You just don't understand what Akali is broken. En fait avec ça, ou alors j'essaye d'avoir une spatula. Ah oh, j'aurais, ouais je vais garder Shogat. En vrai si j'ai une autre spatule, ce qui est possible vu que je suis dans les derniers, je peux mettre une unité gratos, je passe level 8 et je go 4 brawlers. Peut-être mieux. Et ça on en fera quoi? Ça on sait pas, on verra là. Peut-être un GA sur mon un GA et une Warmog sur ma Akali. Go Swain et remplace Spike par une Kata. C'est possible aussi. J'avoue que Swain et Kata ça peut être possible. Mais bon j'en ai raté beaucoup de Kata, je suis pas sûr que je vais en toucher beaucoup. Ou alors sinon je fais un cœur gelé sur Pyke ou sur Akali. Ouais sur Pyke. Ouais c'est une possibilité aussi. Bon après il faut finir dans le top 4 hein. Oh sa mère ça va être chaud hein, le top 4. Allez ma Akali. Ok ça passe. Ok ça passe. Bon là je vous rappelle hein, pour qualifier et pour passer au round d'après il faut finir top 4 hein, donc là je joue clairement pas le top 1. Là je joue la survie et je joue le top 4. Alors il y a quoi là? Il y a Lucian qui pourrait être intéressant. Bon il y a Gnar au cas où. Il y a de la mana pour faire une, un cœur gelé. Est-ce qu'on prend double spatule?
Vas-y, je vais jouer double spatule en vrai. J'ai Akali. Non, j'ai A sur Akali, c'est nul. Là, en gros, sur ma Akali, il faut... Bon, on va tenter, on va tenter. Je suis pas sûr que ça passe. Hein. Go Jace plus vie. Ah, j'avoue, je peux go Jace plus vie. Ça, c'est pas con. Jace plus vie, ça serait pas con en vrai. Hein. Mais... Ouais, en vrai, ça serait un peu con quand même. En vrai, je sais pas si ça serait con. Je sais pas. Mais le bénéfice du doute. Toi, tu vas te mettre là, frérot. Hop. Je pense qu'on va stuff le Shogat. DHP, de toute façon, on va rien en faire. Ah, si, il vaut mieux attendre. Ouais, je vais attendre le round là. Ok, ça va, on focus son Draven, rang 2, on le tue. Non, quoi? Oh, Makali qui a pas tapé. Ok, sa Katarina qui a derp. Allez, frérot. Ok, nice. Allez, mon Rengar. Tue-les tous. Non, non, ulti pas. Oh, yes. Shogat qui carry. Ok, ça passe. Ok, on est top 3. Pour l'instant, on est qualifié, les gens. Et on a un Shogat. On a une vie. Est-ce qu'on prend vie en vrai? En quatrième brawler, ouais, on peut prendre vie. Hein. De toute façon, je pense que je vais pex là. Y'a rien. Il n'y a plus qu'à infiltrer ce mystérieux gang de trafiquants de gâteaux. C'est quoi ça? Ah, merci à toi, petit Louis, pour le sub. Jace plus vie, c'est la compo OP du moment. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas pris Jace, j'ai pas pris vie. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oh, ça va être dur, ça. Oh, ça va être dur. Allez, Makali. Allez, Makali, troll pas. Yes, elle one shot. Makali. Makali qui one shot. Allez, allez, Akali. Allez, nique-lui. Ouais, reste là, reste là. Oh non. Non, Akali. Oui, Akali. Allez, allez, oui. Ok. Et là, en vrai, cette win, elle est tellement importante. Let's go. On est là, on est là. Allez, on est top 3. Bon, il y en a un qui est éliminé. Oh, ça va jouer, ça va être serré en vrai. Que là en vrai je fais une défaite à moins 18, bah je suis dernier quoi. Allez, là il me faut des items, il me faut des bons items, il me faut quoi comme item, il me faut des bons items. En vrai là il faut que je stuff mon Rengar parce que je pense qu'il est top 2 dégâts. Ouais même pas. Attends, on va regarder un peu ce que jouent les autres. Akali. Oh, il y a beaucoup de joueurs d'Akali, lui il joue pas Akali. Il joue Gnar, lui il joue... Oh il joue Sorcier. Lui il joue Akali, ok. Ouais bon, il y a des Akali encore. Je pense que je vais passer level 8 et on va mettre vie, comme ça on aura 4 brawlers, on aura une base de tankiness. Ok, oh c'est pas mal ça. Ah ouais non, ça c'est... Ouais des gold en vrai, c'est pas dégueu. Rengar, on va peut-être pas jouer Rengar... Oh quoique. Oh, on sait jamais. Alors peut-être. Katarina, est-ce qu'on met Katarina à la place de Pyke? Et on met une Swain. Tu sais quoi, je vais la prendre au cas où. Ah, il me faudrait une dernière unité en fait. Ah non, j'ai vie. Ok, on peut faire quoi là? En vrai, je peux faire une quick... ouais, je pense que je vais faire... Je pense que je vais faire une quick sur elle. Ça, si elle se prend un CC, bah elle stun. Allez, allez, Makali, t'es pas morte, t'es pas morte. T'es pas morte, Makali. Allez, tape. Ah non, elle a pas tapé. Ok, c'est jouable encore. Allez, il me reste. Nice. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. On est là. On est là. Ok, Katarina, est-ce que je prends une. En vrai, on a une Katarina rang 2. On va mettre Katarina à la place de Pyke. Et on pourrait chercher le dernier shapeshifter. À la place genre de vie. Tu vois, on met... ouais, ça se tente. En vrai, ça se tente. Bon, là, j'ai un red buff. Le red buff, je vais le mettre sur qui? Sur Rengar, en vrai. Hein. On va mettre un red buff sur Rengar. Ça sert à rien, mais bon. Mais en fait, le problème, c'est que Katarina 2 sans item, c'est pas folichon non plus, hein. Allez, là de toute façon il faut que je gagne un maximum de points. Merde, mon regard il a pas de jump. Oh la boulette. Oh non, Akali.
Oh, Akali qui est morte. Allez, Gnar. Allez, faut en tuer un maximum là. Faut pas que je perde trop d'HP. Ouais, frère. Ah, mais mes unités, c'est. C'est Bonobo partie 6. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, non. Non, je me suis pris une défaite à moins 22. J'arrive pas à la toucher hein, cette Akali hein. En vrai si j'ai pas Akali je suis dans la merde de ouf. Moins 24 je crois. Ouais bah yes hein. Il faut faire un top 4 hein, je le rappelle. Oh ça va être compliqué ça. Il a des putains du thème. Allez. Allez tuez les. Non il a pas tué. Oh là je suis tellement dans la merde. Ok c'est pas fini. Allez, allez, allez mon Rango. Allez mon Rango. Mon Shogat. Ah non. Allez, allez. Oh l'ulti de Kennen il va faire mal. Allez. Oui, yes. Yes. Allez, ça dégage. Ah. Ok, ça dégage presque. Ok. Oh ça va être chaud pour le top 4. Il me faut quoi? Il me faut quoi? Il me faut quoi? Il me faut un item pour Rengar. Rengar on va prendre quoi? Oh, ça. Y'a pas d'Akali. Je pense qu'on va prendre de l'attaque speed en vrai. Je vais prendre ça. Hein. Ouais, je pense que je vais prendre ça. J'ai pas de life seal du coup, ça sucks, mais. Je pense c'est le mieux. RFC, je pense c'est le mieux pour Rengar, mais. Oh, sa mère, ça va être chaud. Oh là là, on est dans un tiroir de poche. Non, il faut pas que je sorte dès le premier tour. T'imagines, j'organise un tournoi, je sors dès le premier tour contre des silvers. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça serait un coup dur hein, pour le joueur franco-français. Après d'un côté il veut pas que je touche mon Ok j'ai une Akali, il manque deux hangars et une Akali. Allez en vrai si j'ai une Akali un rang et deux rangos je gagne. Enfin, je gagne, je passe le top 4. Allez, là, il faut pas que je tombe contre le gars qui m'a mis moins 28 milliards. Oh, c'est... il a Akali en 2. Oh, il a Katarina Vénère. Allez, 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 one shot son Draven. Yes. Non. Allez, Rengar. Allez, Rengar. Fais un maximum de dégâts. Ok, ok. Oh, Rengar. Oh, Rengar. Yes. Dans ta mère. Pardon. Non, mais dans. Ok. Allez, meurs frérot, meurs, meurs, meurs. Non, il meurt pas. Oh fuck. Ok. Ah. Eh, donne-moi, s'il te plaît, le jeu, donne-moi un Akali ou deux Rango. Un Gnar, ouais. Ah, c'est pas ça que je veux. Oh sa mère, il faut que je. En fait, il faut pas que je me fasse éliminer là. Si je me. Ok, c'est jouable. Est-ce qu'il y a des trucs chiants là? Ok. 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 Ok, ok, analyse de la team, tac, tac, 8 plus 7, 4, je retiens 2, non c'est bon. Allez, allez ma team, oh lui il peut me faire mal hein. Allez, oui Akali est bien positionné, allez Akali tue son Brand, oui Shogat, Shogat, mais Shogat je te suce Shogat. Oh non mon regard, allez mon regard, joue, joue, joue. Ok, c'est jouable, je peux gagner encore. J'ai ma Akali, yes. Oh yes. Ok, je crois qu'on est qualifié là. Ah non, toujours pas. Oh Jésus, c'est le top 4 qui passe, hein, on le rappelle. Un Rengar, un Gnar ou une Akali? Pas compliqué, bordel. Ça, on va le mettre sur qui ça? On va le mettre sur Gnar. Je sais pas sur qui le mettre. Hein. Peut-être sur Shogat. En vrai là il faut. Oh ça va être chaud. En vrai, oh ça joue tellement à rien. Ah. Ah ça joue tellement à rien. Sur Pike, ouais, peut-être sur Pike, je sais pas. Peut-être sur Shogat. Je dirais Pike, ouais, Pike, mais bon Pike, allez, donne-moi, s'il te plaît le jeu. C'est maintenant.
Oh, Swain, c'est tentant pour avoir Shapeshifter, mais. Oh, j'ai une Akali. On vend qui pour Akali? On vend Gnar? Ouais, on vend Gnar, 100% on vend Gnar. Ça, on va le mettre sur qui? On va le mettre... Je pense que je vais le mettre sur Cho'Gath. Ou sur Vi. Je vais le mettre sur Vi en vrai. Hein. Sur Gnar, il restera level 1. Je pense que je vais le mettre sur Vi. Allez. Allez, c'est maintenant qu'il faut que je gagne. Oh, si je gagne, je l'élimine et je suis top 4, je pense. Allez. Ou alors, il faut pas que je me prenne un stomp. Non. Non, 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 non. Oh, l'ulti 2. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mon regard. Mais mon regard est trop fort. Yes. Top 4. Wouhou. Bon, on est top 4. Ça y est, on est qualifié pour le deuxième tour. Maintenant, on s'en fout un peu. Oh, Jésus, Marie-Josette. We are qualifiés pour the next tour. Maintenant on joue pour le seed en fait dans chaque tournoi. Donc là on est qualifié pour le prochain tour. Sauf que dans le prochain groupe il y aura 2 top 1, 2 top 2, 2 top 3, 2 top 4. Donc si je fais top 1, bah, je jouerai contre des gars normalement un peu plus faibles quoi. Bien joué Narcus, t'es top 4 VSD Silver. Bah en vrai c'est pas passé loin hein. Heureusement que je pense que je touche ma... Oh mon cœur! Ah non, allez! Ah dommage. Oh t'imagines, j'ai un Rengar en rond 3? Vraiment le feu ça. Ah, des Swain, genre il y en a eu combien? Ok. Après, j'avoue que je joue contre des Silver et je suis heureux de gagner contre des Silver, hein, mais bon. Mais là c'est serré en vrai, hein. C'est stack le level hein. Et c'est ça qui est cool tu vois, c'est que... Mais c'est pour ça que je pense que tu vois, faire des tournois sur TFT. Bon là c'est pour la Pergame Suite, c'est cool, mais je pense que je vais en organiser pas mal parce que c'est trop kiffant en vrai. Je trouve que tu vois, le jeu en vrai, en tournoi quand il y a de la pression etc, c'est vraiment kiffant. Ah ouais mais là je suis mort en fait. Bon bah on aura fini, top. Ok top 3. On aura fini top 3 les gens. Bon top 3. Top 3, top 3. Alors nous on était dans quelle pool? Parce que attendez, parce que j'ai un peu... Je me suis fait inviter à l'arrache. Attendez, on va regarder un peu. Alors, suivi des poules. Alors, qu'on regarde un peu, qu'on regarde un peu, qu'on analyse un peu tout ça. Donc, comment on fait déjà? Non, merci. Contrôle F. Non, c'est quoi C? Contrôle C. Comment on recherche Narcus? Ah ouais, là. En fait, c'est juste là où on recherche Narcus. Narcus. Comment on recherche Narcus sur un Google truc? C'est pas là? Comment on fait une recherche? Qui a gagné? Z de Tar. Contrôle G. Ah ouais, merci. Alors, moi j'étais dans la poule 48. Donc du coup, là je vais prendre un screenshot. Je vais l'envoyer poule 48. Et voilà. Alors, imprime écran. On fait paint. Hop. Tac, 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 copier, fichier nouveau, ne pas enregistrer, hop, on n'est pas un bazar, on laisse pas le blanc, fichier enregistré sous, JPEG, blablabla, on va le mettre dans image, enregistrer, hop, là du coup on était dans la poule 48, on fait tac, screen de 33 à, 40, à 64, on fait tac, et là on met hashtag 48. Hop,
Stupid. Bon, on passe le tour d'après. Du coup, je sais pas, il y a combien d'équipes? Faudrait que je calcule vite fait. Ok, il y a 59 équipes. Du coup, ça fait combien de joueurs? 59 fois 8. Après, eux, ils sont directement qualifiés, du coup. En calculatrice. 59 fois 8. Il y a 472 joueurs. Du coup, s'il y a 472 joueurs, ça fait 512. Ça fait que le bracket. Attends, bon, on va faire 512 divisé par 2. Donc ça fait une game, deux games, trois games, quatre games, cinq games, six games. Ok. En gros, il va y avoir 7 games dans ce tournoi. Donc 7 games pour gagner, pour être dans le top 4. On a fait un septième, les gens. On a fait un septième. Bon, j'espère que ça vous a plu, les gens. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain tournoi. Ça sera samedi prochain. Les liens sont dans les descriptions. Des bisous YouTube. Ciao, bye.